Yo tout le monde, c'est Génio et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo détente, un petit peu bonus. On se retrouve aujourd'hui sur le serveur Hypixel et aujourd'hui j'avais envie un petit peu de dessiner, donc on va faire du pixel painter, voilà. Donc on va voir un petit peu comment on va se débrouiller, donc le pixel painter qui est juste ici. Hop, voilà, on va rentrer du coup dans la file d'attente, voilà, nous y voici. Alors par contre, il y a juste un truc, j'ai oublié de désactiver ça, parce que ça m'énerve, les sauts automatiques là, j'ai pas l'habitude, voilà, c'est bon, ça marche. Ok, donc bah écoutez, on va voir un petit peu comment on se débrouille. La dernière fois qu'on en avait fait, voilà, ça remonte, je crois, à un petit moment, parce que c'est vrai que bah du coup j'ai enchaîné pas mal de séries et puis bah finalement j'ai pas pris forcément le temps de faire des petites vidéos un petit peu bonus, un petit peu plus fun comme celle-ci, mais là j'avais envie, voilà, j'avais envie de dessiner, d'exercer mes talents de peintre. Enfin voilà, on va voir en tout cas les thèmes qu'on va nous proposer, on va voir aussi eh bien si j'ai de l'inspiration. Alors du coup, est-ce que il y a plus assez de joueurs. Ça allait commencer et puis il y a plus assez de joueurs. Ah, c'est bon, 18. Oh, il y a des Espagnols apparemment dans le chat. on va dire bonjour. Hola. Hop. Allez, on attend 18, 20 secondes. Ah, parfait. Bon, j'ai très peur parce que les thèmes peuvent être divers et variés. Allez. Ça commence dans 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Alors, du coup, le thème, c'est costume. Ok. Bon, finalement, ça va. Ah oui, c'est vrai que j'avais toujours un bug, je sais pas pourquoi. Je crois que c'est la superposition de mon pack plus du pack... attendez, on va juste enlever ça, je crois. Je crois que c'est la superposition des deux packs qui fait que j'ai des couleurs... Ah, voilà, c'est ça. J'ai des couleurs un petit peu bizarres. Donc, du coup, alors, on va juste... En fait, on va essayer de faire un petit bonhomme en costume. Donc là, on va faire sa tête. Voilà, parfait. On va lui faire des cheveux marrons. On va prendre ça. Je vais me mettre avec celui-là. Ouais, c'est pas mal. Attendez, j'ai choisi une couleur, non, je voulais choisir cette couleur-là, je voulais choisir cette largeur-là, ok, voilà, c'est ça. Et, des petits cheveux, non, comment on dessine, je me rappelle plus. Ah non, mais non, j'avais pas choisi cette couleur-là. Hop, voilà, alors attendez, on va revenir en arrière, ok. Hop, voilà, j'allais dire, on va s'en sortir, des petits cheveux, voilà, on va faire ça comme ça. Alors, du noir pour les yeux, on va faire ça. Attendez, je suis un peu bas là. Je suis un petit peu bas sur mon truc. Voilà, des petits yeux. On va mettre aussi du blanc pour faire le reflet. Enfin, pas le reflet des yeux, mais le fait que, voilà, on voit que c'est vraiment quelqu'un. Il va avoir un petit sourire. Hop, tac, 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 parfait. Et du coup, le costard, parce que c'est ça qui nous intéresse. Donc, tac. Ok, ça va être sa main, ça va être, hop, mais en fait on va faire comme si on lui faisait un espèce de pull ou je sais pas quoi, et il va juste falloir, on va faire ça comme ça, à la limite je peux même aller jusqu'à là, ça je peux venir faire venir ça là, ok, il reste que 2 minutes, bon ça va, honnêtement ça va, hop. Donc ça va être blanc, et on va à la limite lui faire une petite chemise rouge. Pas une chemise, une cravate. Hop. Oh oh oh. Parfait. Et on va venir colorier en foncé, pas en noir du coup. Non mince, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait n'importe quoi. Hop, tac, tac. On va lui faire le pantalon, vite, du noir. Hop. Et il faut aussi qu'on lui fasse derrière des mains, parce que là, il est un petit peu sans main. Oh la tronche du truc.
Pot de pinceau, n'importe quoi, pot de peinture, des mains, vite, 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 ça, tes petites mains, voilà, comme ça, tranquillement, ok, toi aussi, là, une petite main, voilà, bon, elle est un petit peu bizarre, sa main, là, la gomme, tac, celui-là, je veux l'enlever, non, attends, annule, je vais enlever. Celui-là. Ah mince, pourquoi il a enlevé tout ça? Bon, c'est pas grave. Je vais pouvoir reprendre la couleur et... Non! Mais non! J'ai dit que je voulais reprendre le pinceau! Le crayon! Crayon. Hop! Ok. Et des petites chaussures, si on peut faire ça vite fait. On va faire... Ok. Et on va faire des chaussures marron foncé. Hop! Genre, je sais pas, des petits... je sais pas trop. Je sais pas trop. La gomme... Ouais, c'est bon, j'ai réussi à enlever ça. Eh, honnêtement, la classe. Je vais juste, allez, mettre une couleur de fond. Tac. Yes! Voilà, parfait. Eh, costard ou pas? Costard. Eh, j'ai même fait la cravate et tout. Attendez, c'est la classe. C'est la classe, c'est la classe. Ok, cliquez sur votre dessin préféré. J'ai toujours ce bug que les dessins ne s'affichent pas. Voilà. Ah. Je dirais celui-là, mais bon, là je sais pas, là il a fait un ovni, je crois. Ah non, c'est un nœud papillon et un chapeau un peu melon, je sais pas quoi. Et celui-là il est trop zoomé, mais dommage parce que le nœud papillon était bien. Ah, le mien il est sympa. Lui j'aime bien, il a fait des petits reliefs et tout, mais du coup on voit pas trop le costume quoi. Ben, je vais voter pour toi quand même, parce que de toute façon je peux pas voter pour moi, mais du coup j'ai eu plein de points, ça c'est cool. Ok, ouais celui-là il fait peur, il a la peau blanche, on croirait un espèce de Slender en costard ou je sais pas quoi. Mais il est plutôt sympa, lui il est trop carré, on croirait un... C'est une armoire à glace le mec. Ok. On est tous partis, je crois, sur la petite chemise rouge. Je sais pas pourquoi, c'est cliché en plus. Lui, j'aime bien du coup. J'aime bien lui, donc je vais voter pour lui. Ouais, j'allais dire, c'est un peu kiff-kiff. Lui, il a fait du bleu, donc c'est un peu original. Ok. En fait, quand je vois l'autre, quand même. Ah, je sais pas trop. Ah, je vote pas parce que si je vote et que je perds, voilà. Au moins, je vote pas. Mais j'ai pas voté pour. Enfin. C'est pas de la triche. non, j'ai voté lui quand même. Il était plus sympa avec le nœud papillon. J'avais hésité à voter pour lui tout à l'heure. Hop, ne sortez pas des limites. Voilà, je suis pas sorti. Oh, est-ce qu'on va faire un... Oh! Oh non, on va gagner. Parce que là, c'est la finale, hein. Là, c'est la finale. Bah, je suis fair play, je vote. Allez, j'ai voté pour lui. Oh là là! Eh ben, écoutez, on commence super bien cette vidéo. Du coup. J'ai gagné la première partie avec mon pauvre bonhomme là, n'importe quoi. Honnêtement, il y en avait des mieux. Hein. Je pense qu'il y en avait des mieux que le mien parce que bon, ouais, on l'a fait un peu vite fait, hein, mais bon. Alors, du coup, on va partir du coup sur une deuxième partie. Ouais, c'est vrai que ça plante toujours un petit peu au début. Je sais pas pourquoi. Hop, alors, on va aller voir toi. D'ailleurs, tiens, il a plus son skin, c'est bizarre. C'est bizarre. Hop. Allez, on charge une partie. C'est toujours un peu le moment de doute où on ne sait pas si ça a planté ou si ça charge ou quoi. Hop. Allez, on attend les joueurs du coup. 17. Je crois qu'il faut qu'on soit au moins 18. 18 pour commencer. Ouais, c'est ça. On était 18 et le compteur à 35 s'est lancé. Donc on est plutôt bien. Ok, alors qu'est-ce qu'on a avec nous? On a un petit renard là. On a lui, là, je sais pas trop ce que c'est. Ok, j'ai l'impression qu'on n'est pas 18 dans le hub, j'ai l'impression qu'on est moins que ça. Hop, mais il y a beaucoup de gens qui sautent là dans tous les sens. Arrêtez de sauter, je vais regarder vos skins. Ouais, bah lui, il est du classique, c'est un peu comme nous, quoi, avec la capuche. Il y a une fille en panda. Il y a elle aussi, qui a un skin plutôt sympa. Toi, ouais, ok. Ok. Alors, on est parti. Couronne. Ok. Alors, couronne, on va repartir sur une tête, je pense. On va prendre ça. Ouais. Donc, on va faire un plus grand rond. Non, attendez.
Oui, c'est ça, c'est bon. J'ai pris le bon outil. Ouais, on peut pas sortir des limites, ça, c'est dommage. Bah voilà, ça fera ça, ça fera ça, ça fera ça. Couronne, couronne, couronne. Alors pareil, on va faire les petits yeux, etc. tout de suite, comme ça au moins ce sera fait. On verra que c'est, comment dire, un humain. Enfin, pas un humain, mais une vraie personne, quoi. On va faire ça, on va faire ça. Un œil de la même taille. On va faire le blanc pour... bah parce que ça rend mieux. Ça rend mieux. Ça fait un peu les yeux à la Minecraft, quoi. Mais bon, on est dans Minecraft, donc ça se justifie. Et ce qu'on avait oublié de faire tout à l'heure, c'était les sourcils, en fait. Je viens de réfléchir, là, tout de suite. Hop, voilà. On va limite faire voilà, tout le long. Tout le long. Un petit nez, ça peut être cool. Voilà. Je voulais pas le faire comme ça. Voilà, on va faire ça. Je voulais pas faire ça comme ça, mais bon, pourquoi pas. Ok. Et un petit smiley. Voilà, il est content. Ok, maintenant, on attaque la couronne. La couronne, la couronne, le plus important. Attendez, non, je vais y faire des cheveux tout de suite. Hop, voilà. Et... Parfait. Hop, on va lui faire un peu plus épais à certains endroits. Voilà. Et un peu moins plat sur le dessus. Mais de toute façon, il y a la couronne qui va venir réécraser tout ça. Alors, du coup, la couronne, la couronne, la couronne. On va la mettre de là à... J'ai réussi à faire un trait tout droit. On va essayer de faire un truc genre... Tac. 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 Et... On n'est pas trop mal. On n'est pas trop mal, honnêtement. 2 minutes restantes, je pense que ça peut le faire. Ça peut le faire, ça peut le faire. Je colorie ma couronne. Voilà, parfait. Du coup, notre couronne, on va l'orner. On va mettre des petits rubis dessus. Voilà, des petits rubis. On va faire ça, je sais pas trop comment. Des petits ronds, là. Non, attendez. Vous avez ancré un premier point ? Ouais, ok. Vas-y, fais ça. Fais ça, mince, j'ai raté, si je fais ça, ouais, c'est bon, ok, tac, ah mince, attendez, on va corriger au crayon, c'est vrai que du coup, j'ai l'impression qu'on ne voit pas beaucoup le cercle, il me semble qu'on le voyait mieux avant, ok, ça fait des petits trucs comme ça, on va mettre des saphirs aussi, voilà, à la limite, je vais les faire au crayon, ce sera plus simple, tac, et... On va venir mettre des petits saphirs entre deux. Voilà. En fait, il faut que je fasse une croix comme ça. Et que je fasse un petit carré comme ceci. Parfait. Là, on va faire la même chose. Ouais, je suis limite, hein, honnêtement. Tac. Et limite, ce qu'on pourra faire, c'est peut-être les arranger dans le sens où on pourra les aligner. Parce que là, ils sont quasiment tous alignés. Lui, il est pas aligné. Genre, il faudrait que je fasse ça, ça. Tac, tac. Voilà, et c'est surtout lui qui était pas aligné en fait. Si je fais ça, tac, et là on devrait être bon. Mince, j'ai trop effacé, j'ai glissé, ma souris a glissé. Hop, voilà, ok. Oh, et lui il est presque aligné, honnêtement. Tac, et voilà. 10 secondes, vite, hop, ok. Oh, la tronche. Il a une bonne tronche quand même, hein, honnêtement. Il a une bonne tronche. Ok, j'espère que les gens vont comprendre que c'est du rubis et du saphir. C'est quand même royal, quoi. Ok, alors, les dessins s'affichent. Ah, il y a des trucs sympas. Lui, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup ri quand je l'ai vu. Lui, il est très sympa. La couronne est bien détaillée. Et elle, c'est sympa. Je vais voter pour lui parce qu'il m'a fait rire. Avec son petit set, la petite moustache et tout. Mais ça fait plus bonnet de fou, quoi, les trucs comme ça. Ok. Ouais, ma couronne, en fait, elle est trop carrée. Enfin, j'ai limite trop réussi à faire des traits droits, quoi. Là, je sais pas, on croirait plus un gâteau, j'ai l'impression. Ok, alors là, ça va se jouer. Ah non, c'est lui qui va gagner, avec ses petits points, là. Bon, ouais, ok, pourquoi pas. What? On croirait plus un clown. Un clown qui est pas content, quoi. Bah, je vais voter pour lui, quand même. Ah, égalité. Qui c'est qui gagne ?
Je sais pas du coup. Ah bah ça doit être lui qui a gagné. Non, lui j'aimais beaucoup la couronne. Il y avait du détail dans les reliefs, il y avait les ombres, etc. J'avais bien aimé ce truc-là. Il avait fait des petits rubis, des petits saphirs. Il a même fait des petites émeraudes. Non, je sais pas. Il y avait un petit style. Ah lui, lui. Moi je vote lui. Il était tellement drôle avec sa petite moustache là. Il s'appelle comment? It's just fun. Enfin voilà, it's just for fun. Bah là pour le coup ça m'a bien fait rire, donc ça a marché. Ok. Et du coup. Ah, là je suis partagé. Là je suis partagé. Parce que lui il me fait rire, mais en même temps j'aime beaucoup le design de la tête de lui. Allez, je vote celui qui m'a fait rire. Ok, bah voilà. It's just for fun, t'as gagné. Et bah là, honnêtement, c'est mérité. Parce que lui il était plutôt drôle, honnêtement. Il était bien fait. Je trouve qu'il y avait quand même. Bon, en même temps, le thème c'était que la couronne. Là, t'as fait vraiment tout le roi, mais bon, ça passe. Ça passe, ça passe, ça passe. Bah écoutez, on va se faire juste un petit dernier, je pense, un petit dernier thème, et on va voir un petit peu ce qu'on va avoir, du coup. Hop, on est parti. Pixel Painter, je ne sais toujours pas... Ah ben non, en fait, je ne peux pas y aller comme ça. Il faut que j'y aille, voilà, en allant vers le petit bonhomme. Ah, je cherchais le tout à l'heure aussi, quand je suis arrivé sur le serveur, je me suis dit, mais comment j'y allais d'habitude? Mais en fait, le lobby a changé, parce qu'avant, il y avait des petits panneaux, et on cliquait, et maintenant, c'est des PNJ. Ok. Alors, attention, j'allais dire, là, c'est la fête des chemises à carreaux. Elle, carreau, le mec là-bas, carreau. Hop. Ok, il y a des gens, lui, je crois qu'il était déjà avec nous tout à l'heure. Hop. Est-ce qu'il y a des skins qu'on reconnaît? Non, lui je sais pas, il fait un peu scientifique ou je sais pas trop, futur, hein, futuriste, je sais pas trop. Ok, bon non, il y a des skins un petit peu classiques, voilà. Ok, alors le slime, ah ah, le thème c'est slime. Ok. Je réfléchis à ce que je pourrais faire. On va faire déjà un grand slime. Pourquoi ça colorie pas? Ah, excusez-moi. Je crois que j'ai fait. Voilà, je crois que j'ai fait une bêtise. On va faire genre un petit slime à côté. Je vais pas le faire de la même. Voilà, pile poil à la même hauteur. Et on va faire un moyen slime ici. Mon moyen slime du coup, il était un peu grand. Voilà, ok. Ensuite, les slimes, il faut savoir que ils ont la tête à l'intérieur qui est plus foncée, donc faut que je refasse un carré plus petit, plus foncé à l'intérieur. Ouais, alors là c'est trop foncé. Bon, attendez, je vais le retoucher après. Mais ouais, non, attends, celui-là il est moche. Tac, voilà, parfait. Et toi? Ouais, mais en fait c'est parce que ce carré là il est pas très droit, c'est pour ça que ça fait pas très carré. Voilà, et la gomme. Hop, alors je vais changer, rassurez-vous. Mince, j'ai fait trop de bêtises. Tac, colorier le crayon et je vais juste recolorier cette ligne là. Voilà. Ok, alors j'ai dit que c'était trop foncé. Si je mets ça comme couleur, ça donne quoi? Ouais, c'est plus ça. Et après, leur visage, si je puis dire, limite, leur visage, c'était la couleur que j'avais pris tout à l'heure. Donc, tuc. Je crois qu'il a des yeux un petit peu plus gros, celui-là, vu que c'est un grand slime. Et je me rappelle plus la bouche des slimes, qu'est-ce qu'ils ont comme bouche? On va faire ça, genre ça, parce que je sais pas du tout ce qu'ils ont comme bouche. Toi, t'es un petit slime, donc t'auras des petits yeux et une petite bouche, voilà. Et toi, un moyen slime, bah écoute, on va te faire des grands yeux aussi et une bouche, là. Voilà, je crois que c'est ça, hein, leur bouche. Je me rappelle plus, honnêtement. Par contre, du coup, celui-là... Attendez, celui-là, on a fait un peu trop... Non, à la limite, je vais plus colorier un de plus comme ça, voilà, un de plus. Je vais essayer de les rendre carrés, en fait, parce que, bah, du coup, les slimes sont carrés à la base. Voilà. Ouais, ça fait bizarre, hein, j'ai l'impression. On va revenir en arrière. À la limite, comme ça, c'est pas trop mal. Genre, il saute un petit peu par là. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il reste combien de temps? Il reste une minute. On peut faire...
Parce que les slimes, souvent, ça spawn sur... Moi, j'ai un souvenir des slimes, en fait. Ça spawnait sur les maps plates, vous savez. Donc, je vais essayer de faire ça. Des maps à peu près plates, voilà. Vous savez, celles qu'on générait en mode créatif, du coup, bah, tout était plat, mais il y avait toujours plein de slimes dessus. Après, ils avaient résolu ça, je crois. Donc, on va juste faire ça et ça, ok. Juste l'herbe, il faudrait que je la mette plus claire, sauf que le problème, c'est que ça va se mêler au slime. Si je mets ça, non, c'est trop foncé. Si je mets ça, c'est pas assez. Si je mets ça, non, on voit rien. Je crois que je vais repartir sur mon herbe. Ah, bah celle-là est pas trop mal, ok. Et on a le temps ou pas de faire des petits nuages? Petits nuages, vite, 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 vite. Ok, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Un petit nuage, bon voilà. C'est des slimes sur une map plate avec un petit nuage, pourquoi pas. Écoutez, je pense que on a réussi. On a réussi à peu près le thème. Alors, du coup. Oh, il est sympa lui. Il est sympa. Il y a le mien là-bas. Ah ouais, lui, il est plus parti sur slime, genre les trucs qu'on fabrique là, etc. Bah, j'aime bien lui, mais si je vote, je vais être éliminé. Ah bah non, ouais, non. De toute façon, je suis déjà éliminé vu qu'ils ont voté pour lui. Ok, bon bah voilà, j'ai voté pour celui que je préférais, mais il a pas gagné. Alors ça, je sais pas ce que c'est. Il a juste fait des boules. J'aime bien celui-là, en fait, avec les petites pommettes roses. J'avais pas pensé à faire ça, genre des slimes mignons, un truc comme ça. Bon après, il aurait peut-être pas dû faire les bords noirs, etc. Ouais, moi j'étais pas parti sur slime comme ça en fait. Moi j'étais vraiment parti sur les slimes de Minecraft, donc je vais voter celui-là. Hop. Ah, c'est lui qui va gagner quand même. Ok, et là celui-là il était drôle. Celui-là il était sympa. Justement, il a pas fait un carré pile poil carré, mais justement c'est ça qui le rend un peu plus drôle, un peu plus fun, voilà. Et puis bah je vote toujours lui parce que je préfère lui que ça, voilà. Pff, slime rose, ouais, je vois ce qu'il a voulu faire en fait. Mais moi c'était, on est dans Minecraft donc faut faire les slimes de Minecraft, hein. Bon voilà, il a quand même gagné. Honnêtement, il était beau quand même. Il était plutôt stylé. Il y avait les effets d'ombre, de lumière, etc. Il était quand même sympa, même si, bah voilà, j'étais pas trop emballé par celui-là. En tout cas, bah écoutez, voilà, au moins sur les trois parties, on aura réussi au moins une des parties, donc la première avec qu'est-ce qu'on a dessiné? Je me rappelle plus. On a dessiné une couronne, on a dessiné des slimes et on a dessiné un costard, non, un costume, je crois. Costume ou costard, je ne sais plus, mais du coup, on a gagné sur le costard. Et ça, c'est la classe. Alors que moi, je suis pas du tout en costard, je suis en pull à capuche. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser ça. Ça. Pff, voilà, là je parle trop vite. N'importe quoi, j'ai la fin de la vidéo, je suis fatigué. N'hésitez pas à me le faire savoir en laissant un petit pouce en l'air pour me soutenir, parce que là, je suis fatigué, là. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour d'autres vidéos. Bye tout le monde!